Bien, bonsoir et bienvenue pour notre nouvel épisode sur Alan Wake, l'épisode 4, je crois, de mémoire, si je me trompe pas. Et là, il faut qu'on aille ici, mais c'est bloqué. Donc c'est super. On avait pris donc les chiens, on était descendu ici. Alors je sais pas s'ils font encore descendre. On va voir ça. Waouh, il va se calmer le monsieur. Est-ce que là, c'est de là où je venais, je sais plus. Putain, mais ils arrivent. Putain, ils arrivent! La voie était bloquée. Je devais trouver un passage. Les lumières m'aideraient. Oh! Alors non, c'est clairement pas là où on était la dernière fois. Je vais sauvegarder. Comme ça, on est bien. Et tu vois, ça fait 2 heures de jeu. 2h44. Pardon. C'est plutôt pas mal. Est-ce que je déposerai pas quelque chose? Si, vas-y, je vais poser ça. Les pansements, c'est bon. On a la donf. Je peux pas les commander? Ah si. Oh putain, il faut faire un par un! Ah oui! Ok. Pas de la daube. Ok. Vas-y, resave. Y'a rien là-dedans. Kuchi. C'est génial. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Où va-t-on? Tout d'un coup. Ah ok, d'accord, ouais, j'ai compris le délire. Regarde. Voilà. Et là, c'est mieux. Alors tout de suite, je vous le dis d'emblée, il va se passer un truc bizarre. Alors à quel niveau, je ne sais pas. Ouais. Attends. Quoi ça sert d'avoir fait ça? Attends, ça m'a peut-être ouvert derrière. Non? Là, c'était bloqué. Regarde là. Non? Pas du tout. Ah si! Non? Si, si, c'est bon. Yes! Je suis trop fort. Ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on passe? Ouais, je pense qu'il faut passer dans le train. Dans le métro. Oula, alors il y a du peuple devant. Hein. Moi je dis ça, j'ai rien. Vas-y, mets ça. Je sais pas pour le moment à quoi ça va nous servir. Ouais, bonsoir. C'est moi. Alan Wake. Oh putain, il faut aller là où il y a les monstres, quoi. Il y a les fantômes. Fantômes, bonsoir. Allez, lui ça dégage. Toi aussi. Wake. Vous allez rien faire. Attends, parce que là c'est bloqué. Bah le problème c'est que je comprends pas pourquoi est-ce qu'il m'a demandé de mettre la lumière à l'intérieur là. Ah, attends. Aha. On a allumé la lumière dans le métro. Mais c'est fermé. T'es bien gentil, mais... Oh, ta gueule, hein. Ça suffit. Oh. Ça suffit. Dégage. Attends. Est-ce que je peux passer dans l'eau de rame? Attends. Pas du tout! Il y a du peuple là-bas, on va éviter de revenir sur nos pas. Non, non, mais c'est bien là-dedans, hein. C'est sûr. Alors, faut aller de l'autre côté. Et après, là il y a une flèche, tu vois, mais je peux pas monter là-haut. Casse-toi! Ça suffit. Où suis-je? Bah voilà, en fait, il fallait. L'histoire résonnait dans le hall. Fallait avancer. Je suis trop débile là, le mec qui est... Je préférais rester là où j'étais avant, écoute. Putain, y'a jamais rien là-dedans, c'est fou. Ah si. Ah bah voilà, quand même. C'est parfait. Et bah oui, tout d'un coup c'est plus en gris. Les écrits influaient sur la réalité. Ouais.
Ouais, il y a toujours une issue. Regarde, hop, ça dégage. Mais du coup, concrètement, ça change quoi en fait d'avoir fait ça maintenant? On vole pas les mots. On vole pas les mots, comment ça? Parce que je crois que maintenant je peux rentrer dans la RAM. Pas du tout, c'est toujours fermé. Et ici? Toujours. Putain, les gars. Foutez pas des coups de presse comme ça. Bon, je pense que de toute façon, je vous passerai tout ce truc là. Attends, si on décide de changer. Ah bah voilà. J'avais juste pas mis le bon truc. Les adeptes étaient proches. Une présence sombre surgit des profondeurs. Leur chant s'intensifia. Ok. Putain, ils sont déterminés, hein. Y aurait-il pas un truc ici? Non. Y a un écho? Ah oui. L'agent avait vu quelque chose qui l'avait fait fuir. Que le rite d'invocation ait été un authentique événement surnaturel, ou la psychose collective d'une bande d'illuminés, ça ne changeait absolument rien au fait. La secte remuait des choses qu'il valait mieux laisser tranquilles. Le rituel était crucial pour l'intrigue, la clé pour rejoindre le lieu du crime. Ok, maintenant faut changer. L'événement m'enfoncerait plus loin dans la trame de l'histoire. C'est lequel du coup qu'on a récupéré, c'est ça? Ouais. Oh bordel. Je suis votre salut! Pas du tout. Alors. Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est toujours moi. Ouais, vas-y. Appelle-moi encore plus. Je sais, je suis incroyable. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, concrètement? Je comprends pas, en fait. Parce que la RAM, là, ne s'ouvre toujours pas, en fait. Ah ah, ça, c'est une nouvelle zone, non? Bonsoir. Oh. Attends, attends. Attends, attendez, messieurs. Ah bah voilà. Eh bah voilà. Oh putain. Le wait qui va se calmer. Hop, ça dégage, j'ai fermé les portes. Ça dégage. Laisse-moi tranquille. Ouais mais non mais il faut ouvrir. Sinon je suis bloqué. Attends, je peux le prendre de là peut-être? Ouais. Et donc? Là c'est toujours fermé. Allez, toi. Dégage. Oh, lui, il faut lui tirer dessus. Oh oui! Ah ouais! Ils sont chauds, les mecs! Ils sont chauds. Oh, il y a une porte. Nickel. Elle n'est pas verrouillée. Ok, parfait. Bon, on avance. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonsoir. Rien à faire? Visiblement non. Avançons. Et ça devient de plus en plus bizarre. C'est mon avis. Attends, là il y a un écho. Attends. Merde. Casse-toi toi, sinon tu vas me faire chier. Oh non, encore. Et recharge. Ouah. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On gère, on gère. On gère la fougère. Les adeptes n'étaient pas les seuls à utiliser les tunnels. Des graffitis abscons semblaient indiquer des trajets secrets. Autour des flammes des barils, ça n'arrêtait pas de parler d'une société secrète de marginaux mystiques au savoir obscur. New York tout craché. Eh ben mec, si c'est ça New York, j'y retournerai plus jamais. Alors. Ouais. Pourquoi ça sert de venir là? Aha!
Une ampoule. Non mais d'accord. Oh putain. Tu veux mourir ou je veux mourir? J'ai pas compris. Oh. Cassez pas les bouteilles les gars, cassez pas les bouteilles. Oui, qui ça? Putain de... Casse-toi mais casse-toi. Oh what? J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Vide recharge, salaud. C'est bon. On est good. On est good, on est good. Ah bah voilà, faut monter là. Non, ça c'est de là où je viens? Non, non, pas du tout. Ouvre-moi la porte qui est fermée. C'est toujours mieux que la porte qui est ouverte. Oh. Alors attends, attends, attends. Attends. On va quand même fouiller la porte qui est ouverte. Ouais, regarde, en plus c'est un truc de spawn. Ok. Y'a rien à prendre dans les chiottes là, non? Voilà, on avance. Si, si, il y a toujours des issues. T'inquiète, t'inquiète. Oh putain. Qu'y a-t-il là-bas? Non, mais là-bas, on peut pas y aller. Quand ça devient bizarre comme ça, c'est qu'on peut pas y aller, je pense. Du coup, on est revenu un peu au point de départ. Là, on était dans l'épisode 1. Je peux passer par là? Non. Dans l'épisode 1, qu'est-ce que je raconte, moi? Dans le dernier épisode, quoi. Est-ce que du coup j'ai toutes les intrigues pour pouvoir avancer? Pas du tout. J'ai un peu... Ah non, faut rentrer là-dedans. Il y a un truc que je piche pas parce que c'était là où on était dans l'épisode 1. Ah là, il faut changer quelque chose. Non? C'était ouvert ça avant? Je sais plus. Si on l'a vu cet écho. Je crois que oui hein. Ah ouais ouais ouais. Ouais on l'a vu. Attends, il y a peut-être un nouveau truc à mettre. On peut voir. Ah voilà. Oh putain. Oh putain. Cours. Cours, 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 cours. Vite, vite. Dans le train. Dans le train, dans le train, dans le train. Tu crois qu'on essaye? Ah non. Allez. Mais allez. Ça s'est joué un bras, hein. Ah, allez, ça dégage. Ah ouais, chaud. Je te l'avais dit qu'il allait se passer un truc bizarre. Alors, attends, on va attendre un peu que ça se calme. Je n'entendais pas l'ombre noire. C'est bon. Elle s'était tue. Elle s'était tue. Sur le tutu. Amine repasse par le train, non? Y'a plus de train? Ah, y'a plus de train. Tu me diras, il a tout balayé sur son chemin, lui. En tout cas, les éclairages sont vraiment très stylés. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, j'avance, hein. Oh, putain, il est juste derrière. Enfin, il est derrière ou devant, je comprends pas. Non, il est derrière. Allez, ça dégage. L'ombre noire. Je l'avais déjà vue. Je me souvenais maintenant. Elle était toujours là. À mes trousses. Alors, normalement, maintenant, les succès, vous les voyez dans les vidéos. J'ai enfin activé l'option. À chaque fois, je me disais, ouais, je vais le faire, je vais le faire, j'ai jamais fait. Mais là, en théorie, c'est censé être bon. Du moins, j'espère. Je suis un peu dégoûté sur le platine de Spider-Man qu'on avait fait ensemble. Enfin,
Pas vraiment platine, mais la fin. De toute façon, vous verrez. Donc oui, j'ai bien terminé le jeu de mon côté. Waouh. J'avais trouvé le lieu du crime. Le cœur de la victime semblait être la clé. Écoute, ouais, il est encore là le mec. Putain. Jamais je ne m'étais senti plus proche de chez moi. Un agent du FBI. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes qui? Il peut m'entendre. Il peut m'entendre. Je suis Saga Anderson du FBI. Je suis Alan Wake. Je suis piégé ici, dans l'entonnoir, oui. Sous Cauldron Lake. Cauldron Lake. J'essaie de m'enfuir. Je fais des progrès, mais je suis en danger. L'ombre noire. Au secours! S'il vous plaît, aidez-moi! Je le sentais. J'approchais de chez moi. Est-ce que la femme de ma vision m'avait aidé? Une chose avait changé. Dehors. Parliament Tower. Je vivais avec Alice. C'était devant moi. Ça m'attendait. Fin de la partie. Le jeu est terminé. N'hésitez pas à mettre un like. Non, c'est la fin du chapitre. New York. Joli succès. Du coup. Non, tu vas te calmer. Du coup, que dois-je faire? On est où? Où dois-je aller? Ah, sûrement par là-bas. Qui Alors. écrivait qui? Le père Qui était Kiki? l'auteur du poème? Moi? Non. Je ne pense pas. Encore un écho. Putain. Sur le lieu du crime, je l'avais senti, flottant dans l'air, un message, l'émotion violente de l'acte, une bouffée de rage, les yeux éteints de la victime, fixés sur une chose invisible, et pourtant semblant vous dire quelque chose. Une chose avait imprégné les lieux au niveau moléculaire, s'amalgamant à notre vie insignifiante. Le rappel d'un fait qu'on avait réussi à oublier. Qui vous marque comme un sceau, vous embarquant avec elle, vous rendant de plus en plus dingue. Ouais, la routine quoi. La simple routine. Franchement, le jeu il fait quand même beaucoup moins. Enfin, le 1 ne faisait pas peur, mais ça joue beaucoup plus sur l'ambiance. Et ça, j'adore. Oh, une station de métro un peu plus classe. Les autres. Je veux bien des piles, bon ça je m'en fous. Ça c'est en cas d'extrême nécessité. Ouais. La RAM est bloquée. Attends, je vais aller voir de l'autre côté. Elles ont disparu là, tous ceux qui crient mon nom là. Ils sont plus là. Non, je pense qu'il faut aller en face. Je pense qu'il faut aller en face. Attends. Je peux descendre? Ah bah non, je peux même pas descendre. Mais pourquoi il me montre ça alors? Attends. Non, non, je peux vraiment pas descendre. Donc il doit y avoir un truc à faire. Ah bah c'est ouvert là. Station à échanger. J'étais bien plus proche. Mais pourquoi est-ce qu'il me mettait des flèches alors là-bas? Ah mais voilà, c'est bon, on est arrivé à la tour. Notre chez nous à New York. Est-ce que j'allais bientôt rentrer chez moi?
Eh ben j'espère pour toi. Appartement serait chez moi. Ou n'était-ce qu'un écho de la réalité? En tout cas, le lieu du crime m'avait rapproché d'une issue. C'est très classe chez toi. Attends. Tu veux bien activer l'écho? Ah voilà. Était peut-être une victime. La secte utilisait son œuvre. Ou alors, c'était peut-être lui le monstre qui orchestrait tout ça. En tout cas, Alice Wake, son ex-femme, savait des choses. C'était criant à travers toutes ses œuvres. C'était comme un appel au secours. La noirceur qu'elle avait vue l'avait mise en danger. Alice était ici, dans l'histoire. Je pense qu'on va la revoir, tiens. Hop. Très classe hein, son appart là, l'ascenseur il on dirait un hôtel 5 étoiles, tu sais, très stylé. L'équipement photo d'Alice, pareil pour l'ouverture de la porte. Putain, t'as vu le bail que c'est là? Je te dis pas tes yeux après comment ils sont. Enfin, dans quel état. Oh! Alice! On se calme? Alice. Elle est pas là. Ces grincements sur cette photo. Où Alice a trouvé ça? Est-ce qu'il la poursuit? Bizarre. C'est la porte de mon bureau, là où j'écrivais. Mais ce symbole est nouveau. En tout cas, c'est pas le même appart que dans le premier. Hein. Enfin, je crois pas. Enfin, ça me dit rien du tout. Ah, y a toujours les vieux trucs en anglais. Ok, ouais, bah, pour le moment, j'ai rien. Ça a pas été corrigé, tiens. Hop. On va un peu tout fouiller de toute façon. Dans la cuisine, est-ce que je peux pas prendre un petit truc à manger? Partie 1. Ah bah voilà. Elle est là. Partie 1. Sur quoi travaillait Alice? Nickel. Hop. Jeune, la photographie était tout pour moi. J'ai emménagé à New York en pensant devenir une artiste. Puis il y a eu Alan. On était heureux. On était tous les deux dévoués à l'art et à la création. La seule différence, c'est que les œuvres d'Alan rapportaient. Il m'embauchait quand il pouvait. J'ai fait ses photos de promo, j'ai créé ses couvertures de livres. Je parie qu'il a obligé son éditeur à accepter. Je prenais des photos, mais c'était pas mes photos. Et ça, ça me rongeait. Les choses se sont parfois envenimées, mais c'est la vie. On s'aimait tous les deux. Puis, il a eu un passage à vide. Ça a fait ressortir un côté sombre que je n'aimais pas. J'ai décidé de l'emmener voir un médecin à Washington. Et je ne lui en ai parlé que quand on est arrivé. On s'est disputé. Ça a dégénéré. Puis il a disparu. Il s'est noyé apparemment. Évidemment, les gens se sont dit que c'était ma faute.
Même moi, c'est ce que je crois parfois. Il y a environ 6 ans, j'ai commencé à entendre des bruits la nuit. Le bruit des touches de la machine à écrire. Des voix aussi. Alan était revenu. Il me hantait. Puis il est devenu violent. C'était Alan. Et pourtant, c'était un monstre. Il avait l'air tout le temps en colère. J'ai installé des appareils dans tout l'appartement, avec des détecteurs de mouvement et des flashs. Et aujourd'hui, quand le monstre me rend visite, j'en fais de l'art. J'imprime mes cauchemars sur pellicule. J'en ai fait le sujet de ma nouvelle exposition. Je veux montrer aux gens que le monde est beaucoup plus sombre qu'ils l'imaginent. Cette exposition va s'appeler L'Entre-Noir. Alice, grincement la terrorisait. Pourquoi ? Dans la pièce de l'écrivain, je me mis à écrire Initiation. Pour me protéger grâce à l'entre-noir, pour chercher une issue. L'histoire m'avait mené ici, mené nulle part, ramené en arrière. J'étais en train d'écrire l'histoire. Et dans cette histoire, j'entrais dans la pièce de l'écrivain. Mais aucun écrivain ne s'y trouvait. Je me pose beaucoup de questions, hein. Plus on avance, plus ça devient très 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 intrigant. Ok, on va repasser avec l'agent du FBI. Je m'en souviens plus de son nom. Résumez ce que vous nous avez dit, Alan. Ces 13 dernières années, vous étiez piégé dans une dimension cauchemardesque. L'entre-noir, qui est comme New York sans être New York. On peut l'atteindre depuis le fond de Cauldron Lake, mais ce n'est pas vraiment sous le lac. Et après tout ce temps, vous avez réussi à fuir. Ouais, ouais. Comme votre double maléfique, Monsieur Grincement, ou est-ce plutôt l'ombre noire ? Les deux, ils sont interchangeables. C'est Grincement quand c'est mon double, mais il peut emprunter une autre forme. Et Grincement, cette ombre noire, veut réécrire le monde selon sa propre image. C'est-à-dire à votre image, puisque c'est votre sosie. Et transformer le monde en horrible cauchemar. Pendant la fête du cerf, qui doit avoir lieu dans quelques jours seulement.
Vous avez fui l'entre-noir en écrivant un roman, les pages que l'on a trouvées. Mais votre double a transformé en récit d'horreur qui modifie la réalité, prend possession des gens, oui, leur fait perdre la tête. Et transpose l'entre-noir à Bright Falls. Je crois. Quand la fiction se mêle à l'entre-noir, elle peut changer la réalité. Alors l'histoire devient vraie et elle envahit tout comme... comme les ténèbres quand la nuit tombe. La dernière fois... Vous voulez dire en 2010? Oui, la dernière fois, c'est pas arrivé d'un coup. L'histoire est devenue vraie à mesure qu'elle progressait. Et l'ombre noire était toujours liée au lac. Je l'ai stoppée avant qu'elle obtienne la fin qu'elle voulait. Avant qu'elle s'échappe. Conclusion. Il reste du temps. C'est là qu'arrive votre interrupteur magique. Le rupteur. Magique n'est pas le mot qui convient. Grincement le veut pour imposer sa fin à lui, mais c'est hors de question. Si je récupère le rupteur, je renverrai mon double dans l'entre-noir et j'éradiquerai toute cette merde. Écoutez, je sais que ça peut paraître dingue. Ma mémoire est pleine de trous. Je sais pas trop à quel point elle est fiable. C'est comme un rêve qui s'effacerait. Putain, ils sont toujours synchro les deux, c'est abusé. Monsieur Wake. Alan. On a une autre dose de trucs vraiment dingues au cours des dernières 24 heures. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi moi? Pourquoi nous, on fait partie de l'histoire? Je vous ai aperçu. C'était une vision, dans l'entre-noir. Je crois que, dans un sens, vous m'avez aidé à m'enfuir. Avec ça dans l'histoire, Grincement l'a peut-être modifié pour vous atteindre. Pour vous blesser. On est tous en danger. C'est dément. Tellement énorme. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre? Ils sont louches. Ils aiment porter des masques de cerf, faire des rituels meurtriers. Les victimes se changent en monstres, possédées par les ténèbres. Le tout sûrement inspiré d'une histoire d'horreur écrite par un certain auteur. Alors, ça vous dit rien? La secte? Si. Si, ils ont le rupteur. Attends, déjà on va placer tous les trucs. Alors... Wake nous a donné un tas d'informations. Mais ce rupteur, ça semble être un bon point de départ. Si on le retrouve, on trouvera la secte. Oula. Je sens qu'il va y avoir mille et un trucs là. Attends. Ok. On change de dossier... Attends, non! Qu'est-ce qu'il me fait là? Je m'en fous de ça. Vas-y, passe sur ce dossier. Les pages qu'on a trouvées viennent d'une histoire horrifique du nom de Return, écrite par Alan Wake. Et le contenu de ce livre se réalise. Ça aurait pas pu être un roman d'amour? Attends, putain, mais ça m'énerve. Le fait de zoomer et dézoomer, c'est un peu mal fichu, je trouve. Voilà. La suite, par ici. Là, on a tout qui est... Putain. En haut? Non? Putain. Ok, ça c'est une nouvelle piste. Putain, on a combien de trucs, là, c'est abusé. Ça, ça va pas en haut? Ah bah si. Quand la fiction se mêle à l'entre-noir, elle peut changer la réalité. Alors l'histoire devient vraie. Putain.
Mais genre ça va pas ici ça. Là? Non. Ah bah voilà. Quand même. Attends, on va faire tous les trucs dans l'ordre. Là, il y en a pour 10 ans, littéralement. Lui, alors, tu vas le mettre là. Ok. Et aussi. La photo, je pense qu'elle va venir là. Réfléchis. Non? Alors ici? Attends. Ouais. Ok, c'est une nouvelle piste complète. Ça va retourner là. La lampe, ok. La lampe torche. Je sais pas, peut-être ici. Non. Putain, mais c'est un truc. Un truc de barge. Ah, mais attends. Ok. Du coup, il nous reste la lampe, mais la lampe, je sais pas où il faut la mettre. Réfléchis. D'ailleurs, encore éventuellement une place, mais il veut pas. On va tous essayer, hein. C'est moi qui te le dis. En bas peut-être? Bah non. Bah je pige pas, hein. C'est comme s'il manquait un truc. Ah bah voilà, c'est pour créer une nouvelle piste. T'as comment tu veux que je sache? Ok, ça va aller là. Même pas. Et ça, je peux pas. Ok. Si la secte a le rupteur, ses adeptes obéissent à Monsieur Grincement. Pourquoi êtes-vous aussi sûr qu'ils ont le rupteur? Il travaille peut-être pour Grincement. Je m'en souviens pas, tout ce mélange. Alan, si je dois me baser sur vos infos pour agir, vous devez être honnête avec moi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est perdu? Ou est-ce qu'il cache quelque chose? Oui, il est complètement taré. Allez. Selon Wake, la secte a le rupteur. Comment le sait-il? L'écrivain est le lecteur. Prochain chapitre, prochain chapitre, prochain chapitre. Protégez les pages, la brillance sombre des mots. Wake cache des pages partout. C'est comme ça qu'il sait que la secte a le rupteur. Wake a un double, Monsieur Grincement. Où est-ce qu'il est? Un nuage de rage sur mon visage. L'antre noir dans cet antre. Réduisant mon travail à néant. Grincement est là, à Washington. Il pourchasse Wake. Grincement ressemble trait pour trait à Wake. Pourquoi? N'éveille pas le rêveur si ta vie est un rêve. J'ai atteint le rivage, mais l'eau continue de monter. Wake et Grincement ont bel et bien un lien. Wake a peut-être fait sortir Grincement avec lui. Ou l'inverse. J'aurais plutôt dit l'inverse, hein. Très bien. Monsieur Wake, je sais que vous avez d'autres pages du manuscrit sur vous. Vous ne savez pas à quel point ces pages sont vitales. C'est mon seul moyen de connaître l'avenir. Vous n'êtes pas le seul à chercher une réponse. C'est aussi notre boulot. Bon. Tenez. C'est tout ce que j'ai. Prenez-en bien soin. Dans le mobile home, aux abords de Watery, Saga avait vu pour la première fois le fameux rupteur de Wake dans les mains de la secte de l'arbre. Un adepte l'observa. Elle sortit son arme. Non, plus en plus chelou. Attends, j'ai encore d'autres trucs à faire dans le dossier là. Ouais. Ok. Non? D'accord. La secte de l'arbre a le rupteur dont Wake m'a parlé. Elle est mêlée à tout ça. Tout est sur cette page. Le rupteur, la secte. Très bien. Je vais à Watery pour trouver le mobilhome. Casey, reste ici et garde un œil sur Monsieur Wake. Compris. Non, il faut que je vienne. C'est hors de question. Il s'agit d'une enquête du FBI et je vois pas d'insigne sur votre espèce de
chemise. Ok, allez, on va les save. Ah ouais, elle a beaucoup de choses, elle. C'est quoi, ça? La boîte à chaussures, elle est, ok. S'en fout. Attends, quoi? Changement de réalité? C'est-à-dire? Attends, je pige pas trop le truc, là. Ah, on passe avec Alan. J'étais de retour. Je n'avais pas pu m'échapper. L'ombre noire m'avait bloqué. Ok. Mais donc je comprends pas, il fallait pas aller au truc. Ce soir est Alan Wake. Mais on l'a déjà fait, ça. Vous voulez faire quelque chose d'un peu... J'étais de retour. Et je n'avais rien oublié. Je savais quoi faire. Je reprendrai le contrôle. Fini les surprises. Des démons qu'il affronte aux heures les plus sombres de la nuit. Donc on peut choisir quoi faire et comment jouer. C'est bizarre. La chanson s'appelle Herald of Darkness. Attends... Que... Non, je peux rien faire. Je peux rien faire du tout là. J'aurais quand même préféré. Bah, génial. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je peux rien faire en plus, tout est bloqué. Ah, what? Changement. Ah, ouais, mais d'accord, mais oui. J'ai pas à venir là maintenant en fait, je pense. C'est pour ça. Et là on va repasser, ouais c'est ça. Ok. Oh, c'est intéressant de savoir que tu peux passer entre les différents persos comme ça. On découvre, hein, on découvre. Voilà, c'est peut-être mieux. Hein. Bah écoute, on aura essayé. Ferme la porte. Parce que la musique là, j'ai pas confiance. D'accord, mais je sors comment moi d'ici? Vous avez écrit ces pages dans l'entre-noir. Pourquoi on les retrouve ici? J'ai dû les écrire. Je me souviens d'avoir écrit un nombre incroyable de pages. La dernière fois que c'est arrivé, les pages étaient envoyées de l'entre-noir pour m'aider. Il se passe peut-être la même chose cette fois. Ce sera tout pour l'instant, monsieur Wake. Merci. Attends, je vais quand même mettre ça au placard. attends, il y a beaucoup de choses à faire là. Non, je peux pas. Ok. Ici? Ouais. À tous les coups, c'est là, pas du tout. En bas? Essaye encore. Putain, je vais péter mon crâne. Non. Non plus. Ouais. Ah bah voilà. Ok. Bon, je préfère tout disposer comme ça, au moins c'est fait. Sinon après il y en a 15 000. Ouais, bienvenue. Ça va. Allez, ancien meilleur char de la fête. Go. L'horrible marionnette en laine. Les animaux empaillés. Oh non, sûrement pas. Je fais encore des cauchemars à cause de leur... C'est la troisième fois que je demande qu'on fasse quelque chose. Ça, c'est quand même giga giga beau. Hein. Je te jure que j'ai emporté tout mon kit. Notre voiture, elle est où? Allez là. Enfin, je crois que c'est celle-ci. Ouais. Golden Lake. Wateri. Il fallait aller où, nous? Je crois que c'était Wateri, hein, c'est ça. Hein.
Il est bien gentil, mais lui tout à l'heure il m'a parlé de cartes. Je vois rien sur les cartes. Ouais, je pense que c'est Boiteri, hein. On va essayer de toute façon. On verra bien. Ouais, je pense que c'est bien là. Ouais, Anderson, je voulais pas te dire tout ça devant Wake, mais. T'es sûr que c'est vraiment une bonne idée d'y aller toute seule? Si on se fie à cette page, je dois vérifier ça. On doit trouver la secte. N'importe qui ici pourrait être un adepte. Et ce grincement. Le sosie maléfique, ça doit être vrai, ou bien ce type ne sait pas écrire. Mis à part ses talents d'écrivain, si cette page reflète la réalité comme les autres. Ce sera une vraie avancée. Ce sera peut-être même réglé avant l'arrivée des renforts. Je crois qu'ils prennent leur temps. Alors, sois prudente. Ok. Mais oublie pas ce qui s'est passé avec la salière. Il y a toujours des petits bugs de dialogue, c'est un peu dommage. Je me situais dans un mobilhome à Watery. Je devrais me renseigner. Une fille du coin. Ah non, Return 3. Tu peux m'aider? Toi, t'es un peu perché, donc non. Putain, je sens que la musique va être copyrightée. Déjà que j'ai eu des petits problèmes avec l'épisode 3. Enfin, des petits. Fermé. Attends, là on peut changer. Mais je pense pas qu'il faille changer maintenant. Ça m'étonnerait. Tu peux m'aider? Excusez-moi. Vous sortez. Saga, chut. Attire, fais une représentation. Sérieux? Je dois être le seul agent du FBI à qui on demande de se taire. Ils savent tous comment je m'appelle, mais pas moi. Ah, lui, là. Enfin, elle. Non. Carte. Bon, vas-y, sors de là. Bonjour. Vous auriez une seconde? Ah! Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu, Madame Anderson. Thor et Odin ne sont pas là. Ces deux vieilles canailles, toujours en cavale. Désolée, mais à vrai dire, je voulais vous parler d'autre chose. Vous pourriez me dire où est-ce qu'il y a des mobiles? Oui, le parc de mobile home de Watery. Il appartient à Ilmo Koskela, comme plein d'autres trucs en ville. Et il est où, cet Ilmo? Je l'ai vu avec son frère du côté du pont. Enfin, ce qu'il reste du pont. Est-ce que vous vivez par ici? J'habite à Bright Falls. On s'est déjà croisés. Je suis Monsieur Bloom. Vous savez, Vladimir. Je bosse à la maison de retraite. Je m'occupe des personnes âgées. On fait une petite sortie. Musique, sauna, on s'éclate. Je les amène ici en bus. C'est important de prendre soin de nos anciens. Et c'est un très beau bus. Merci. Salut, tout va bien? Toi qui m'a parlé? Qui a parlé là? Petit coquin, qu'est-ce que tu m'as fichu cette fois-ci? Ils sont bizarres les gens. Alors, est-ce que tu crois que je peux prendre la voiture pour aller au truc? Du coup, la voiture, non, on oublie. On va voir un peu la map. D'ailleurs, on a même un truc qu'on peut mettre sur le tableau. Nous, on est là. Et il faut qu'on aille. Je trouve que la map, elle est pas assez claire. Là, peut-être. Il y a le sauna. Il y a un pont ici, c'est peut-être ce pont-là.
Attends, est-ce que je peux pas mettre un petit truc? Genre ça. Un parc de mobilhomes, c'est là qu'on trouve des mobilhomes. C'est logique, Saga. Ouais, super. Ça m'aura bien aidé. Je dois trouver le Mokos qui est là. Attends. Du coup. C'est bon, bouge. Bouge avec ta carte là. Oh, je sais pas, on va avancer. Hein. Je comprends rien du tout hein, cette carte. C'est vraiment mal fichu. Je prends la voiture, pas du tout. Putain, ils me connaissent Salut, tous. Imo. Alors, Steven a aimé sa balade dans les bois? Encore un client satisfait. J'espère juste qu'il nous mettra une bonne évaluation sur notre page web. Content de te revoir à Watery, Saga. Tu as manqué à tout le monde. C'est super sympa de te revoir, Saga. Il faut comme s'il me connaissait depuis des années. C'est pas la première fois. Vous avez entendu parler de la secte de l'arbre? Ouais, on a toujours cru que c'était une légende urbaine. Des gamins qui faisaient des symboles flippants pour se faire peur, mais... C'est devenu super réaliste, non? C'est horrible ce qui est arrivé. On est tous sous le choc. Oui, eh bien, on enquête là-dessus. Les choses devraient bientôt revenir à la normale. Ce serait super. Enfin, aussi normal qu'elles l'ont toujours été. Ça me casse les pieds, cette fichue truc de carte là. M'énerve. C'est bon, j'ai compris. N'oublie pas. Putain. Le parc est à vous, c'est ça? Est-ce que ça vous dérange si je jette un petit coup d'œil? Ouais. Je suis quasi sûr que le gérant du parc de Mobilhome de Watery, moi, peut vous aider. Notre résidente la plus drôle est de retour. Résidente. Je vois pas ce que vous voulez dire. Si c'est ta façon de te débarrasser des factures impayées, et t'inquiète pas, elles sont réglées. Ça doit être dur de revenir à l'endroit où tu vivais avec ta fille. C'est comme s'ils se souvenaient d'une autre réalité. Est-ce que l'histoire d'horreur embrouillerait leurs souvenirs? Et c'est quoi ce Coffee World? Comment? T'as même pas vu notre publicité? Coffee World est un mélange onctueux d'attractions et de bouffe. On avait même un élan, jusqu'à... très récemment. Et juste à côté de Coffee World, il y a l'atelier de notre motoclub, les Chevaliers de Kalevala. On s'occupe de fabriquer les chars pour la fête du cerf. Mais va pas fouiner. Tu comprends? On veut garder la surprise pour la fête. J'ai bien compris. T'as ce message, il va me rendre fou. Hein. C'est un truc de barge. Wade dit que l'histoire changera la réalité autour de nous. Si c'est vrai, je dois distinguer le réel de la fiction. Ok. Putain, mais il va s'enlever un jour ce fichu message. Attends. Comment ça? Voilà. C'est mieux. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais chercher aussi. Il m'a dit que la secte n'est qu'une légende urbaine. Mais est-ce qu'il y croit? Il y a des choses terrifiantes la nuit. Tout est vrai, tout est vrai. Déclenche l'alarme, frangin. Rassemble les troupes, frangin. Yako, l'ombre de la forêt s'approche tout doucement. Il ne croit pas que c'est une légende urbaine. Ils savent que c'est dangereux. À en croire Ilmo, j'ai vécu là. Lumière, rire et amour te guideront chez toi, Saga et Sagamine. Bon sang. Des visages souriants, ça fait monter les prix. La famille d'abord, Ilmo. On s'occupera de son mobilhome plus tard en son absence. Elle est avec nous, Yako. Le double des clés est à l'abri. Les frères Koskela ont de bons souvenirs de mon passage ici. Je pense que c'est l'histoire qui les affecte. Je vais jouer le jeu pour l'instant. Il me faut la clé du mobilhome.
C'est un peu chiant là de changer de dossier H24. Donc, vos publicités... C'est pas que des publicités, Saga. Notre but est de divertir et d'éduquer les téléspectateurs sur les produits et les services qu'on propose. Et Yako, ici présent, est un vrai pro devant les caméras. Sérieux, ta gueule. Je suis juste là pour la bière gratuite. Par contre, je sais pas c'est quoi l'excuse. Oh, hey. Je suis scénariste, producteur, acteur, réalisateur. Franchement, ce serait pas mal que t'arrives à t'en souvenir. Bon, assez plaisanté. Oui, j'aimerais voir mon mobilhome. Est-ce que vous avez un double des clés? Tant mieux pour toi. Ouais, j'ai un double des clés, mais il se trouve à Coffee World. J'irai bien le chercher, mais Yako et moi, on doit aller à Bright Falls. C'est dans le coffre de la boutique de souvenirs. Je vais appeler pour que quelqu'un les mette à disposition. Ah, la route est inondée, mais si tu suis le sentier derrière moi, il t'y conduira. Ok. Appelle la boutique de souvenirs pour qu'ils aident Saga. Ouais. Alors, on va placer notre dernière brique. Les Koskela croient que je vivais dans un mobilhome avec Logan. L'histoire change véritablement les souvenirs des gens. Pourquoi les miens ne changent pas? Bah écoutez, sur ce, nous on va s'arrêter là. Ouais. Après avoir découvert tout ça. D'abord la serveuse au restaurant. Et du coup, il faut qu'on aille à Coffee World. La rivière. Yes. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Très intriguant et tout, on a pu switcher avec les deux persos, c'est plutôt cool. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, activer la cloche et bah, du coup à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là. Portez-vous bien. Ciao, ciao.